aussi exprimée par des chamans, etc., plus par le ressenti. Donc ça, c'est après, c'est selon les croyances de chacun. Mais je pense que c'est des nouvelles choses qui reviennent même dans l'art local, qui viennent dans l'art local. Oui, mais l'art chamanique, finalement, il était un petit peu... Il n'était pas très existant en Europe jusqu'à ces derniers temps. Donc en fait, il y a vraiment ces deux choses-là. Et c'est vraiment un grand tournant finalement de l'art, parce que c'est une ouverture énorme. Ça n'existait pas du tout avant France. Voilà. Et le Feng Shui aussi, qui peut s'induire dans l'art lui-même. Donc en fait, c'est un rapport avec l'art vibratoire. Moi, j'aime bien la photo. Oui, c'est ancien, mais justement c'est nouveau chez nous parce que ça revient. Même les Celtes qui faisaient des formes un petit peu distordues, etc., peut-être que pour eux c'était vibratoire. Voilà, les peuples anciens ont été enfouis, oubliés dans l'histoire moderne. Ils reviennent un petit peu avec leur conscience à l'heure actuelle de manière mondiale. Donc, voilà, c'est mon point de vue. Merci. Allez. Alors on enchaîne alors avec micro ou sans micro? Par rapport au voisin. Avec. Alors on peut resserrer, mais là ça va. Maurice. Ah mais. Ah oui, c'est moi.